traité révolutionnaire et décisif pour IEDA, c'est le fait qu'on a assez simplement finalement digitalisé des protocoles de prise en charge qui existaient, qui avaient été définis par l'OMS, mais qui étaient très difficilement applicables par les agents de santé au niveau périphérique. Donc, tout notre objectif a été justement de faire que ces protocoles soient plus appliqués qu'ils ne l'étaient auparavant. Et c'est en ça que ça a été révolutionnaire finalement, c'est qu'on a, avec du digital, apporté une réponse à cette problématique d'application des protocoles. C'est une co-création avec le ministère de la Santé. Cette approche, elle vise principalement à améliorer la qualité des soins qui sont prodigués au niveau des centres de santé périphériques, donc le niveau primaire du système de santé au Burkina Faso. Un des autres objectifs de IEDA est d'améliorer la qualité des données qui sont collectées et qui permettent justement au système de santé de construire leur politique et leur stratégie sur le pays. Depuis 2018, on a élaboré un plan de transfert de technologies et également de la base de données sur les serveurs du ministère de la Santé. C'est une très bonne chose que IEDA puisse être repris par le ministère de la Santé. Et en ce sens que cette reprise en main par le ministère de la Santé va permettre que la prise de décision puisse être faite sur des bases factuelles parce que les données seront capitalisées par les systèmes de santé. La Fondation Pierre Fabre a été très, très bénéfique à deux aspects. D'abord, en accompagnant le projet IEDA dans sa stratégie, notamment d'implémentation. Et secondairement, à faire l'interopérabilité entre les données de prise en charge communautaire et la plateforme IEDA. En ce sens, je pense que la Fondation Pierre Fabre a contribué au continuum de soins d'une part et également contribué au déploiement et à l'amélioration de la plateforme IEDA. C'est une aventure humaine, pas simple. Si je devais le résumer en quelques mots, mais extrêmement enrichissante pour tous les gens qui y participent et salutaire, je pense, pour les pays qui en bénéficient. Ce qui est fait au Burkina pourra servir énormément à l'ensemble des pays et pas seulement les pays en voie de développement, même certains pays développés. Progressivement, on va essayer de couvrir un peu l'ensemble du spectre de la santé au niveau périphérique, toujours dans le but de sauver des vies. Et effectivement, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on garde à l'esprit aussi de cette aventure.